pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi il y a tant de confusion tout le temps autour de ces ententes-là? Pourquoi le gouvernement n'est pas capable de mettre ça clair pour qu'on comprenne, puis qu'on n'ait pas des chiffres? Bien, ce sont des ententes complexes. Ce sont des ententes qui impliquent une fédération. Vous comprenez qu'on ne verse pas un salaire à un médecin directement, on verse ça à la fédération. Il y a également des investissements qui sont faits par la fédération. Par exemple, pour les nouveaux médecins, si je vous donne cet exemple-là, pour les nouveaux médecins, c'est limité à 2 % Si jamais ça excède 2 % les nouveaux médecins dans le futur, bien, la fédération va payer pour ça, ou va assumer le coût de ça. Alors, vous vous retrouvez, effectivement, avec des ententes qui sont complexes, mais c'est la nature des choses. Ministre, on aimerait parler justement de l'entente avec les médecins spécialistes. Pourquoi c'est rendu à 4 milliards au lieu de 2 milliards? Bien honnêtement, par un hasard déconcertant, j'ai vu que vous venez de faire une entrevue avec la personne qui avait la responsabilité et de la négociation et des chiffres. Alors, je n'ai rien à rajouter. Avez-vous d'autres questions? Mais voulez-vous contester les chiffres? Est-ce que les chiffres sont exacts? Vous êtes arrêté ce matin devant nous. Là, j'imagine que vous souhaitez en parler quelques secondes. Juste pour ajouter au commentaire de M. Justement, je n'ai rien à rajouter. Alors, je vais vous souhaiter une bonne journée. Mais M. Barrette.